Je veux bénir le nom du Seigneur parce que il m'a donné deux enfants. Mon témoignage est relatif au renversement de principauté de l'année dernière. En fait, quand je venais, chaque fois que le leader nous demandait de prendre trois sujets ou bien un sujet, effectivement, j'avais trois sujets. Le premier, c'était que Dieu me donne deux enfants en une maternité. Et acclamons pour Jésus-Christ. Deuxième, c'était que Dieu donne du travail à mon époux et que moi-même, Dieu me donne aussi du travail. C'était mes trois sujets. Chaque fois, c'est ce que j'élevais à Dieu. Et comme vous le voyez, le premier a été exaucé. Dieu m'a donné les bébés en question. Donc, je veux bénir son nom. Amen. Acclamons pour Jésus. Moi, c'est le frère Brice. Mon futur disciple, c'est le pasteur Théo d'Aboisseau. J'adore à l'Assemblée du Temple. Hier, j'ai crié aussi à mon père, qui est le Père Tout-Puissant, de me délivrer de la vie du monde, de mettre ma pensée sur Jésus-Christ à la croix, que je ne sois pas un rétrograde. Je ne veux même pas attendre parler de rétrograde dans ma vie, depuis que je l'ai connu. Et vraiment, Dieu a exaucé ma prière. J'ai fait un songe où vraiment il a rempli ma mère avec des jetons, beaucoup de jetons. Et quand il m'a dit de tourner derrière, quand j'ai tourné derrière, j'ai vu les maquis, j'ai vu des hôtels de luxe avec des prostituées. Ce que je faisais en vain, c'est ce que je voyais tourner. Et il y a une voix qui me dit, tu vas nous laisser. J'ai dit non, c'est fini, je suis un enfant de Dieu. Acclamons pour Jésus-Christ. Et j'ai pris ma voix, les jetons tombaient, et puis j'ai pris, les jetons tombaient, je ramassais et je partais. Et quand je me suis réveillé, j'ai intercédé, j'ai dit, qu'est-ce que ça signifie? Il me dit, je t'ai délivré de la vie du monde, les jetons que tu voyais dans ta main, c'est la principauté de la pauvreté que j'ai renversée. Je veux lui rendre toute la gloire, le bénir pour ce qu'il fait pour moi et ce qu'il continue de faire pour moi. Amen. Amen. Malachie, chapitre 1. Verset 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Continue jusqu'au verset 8. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand
quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Amen. Nous voulons nous adresser à Dieu ce soir comme à notre Père. Mais est-ce qu'il est vraiment ton Père? Regarde les choses que tu lui donnes. Est-ce que ça ressemble au don d'un enfant à son père qu'il honore, qu'il aime? Regarde comment tu fais son œuvre. Ça te prend combien de temps? Où est la preuve que c'est lui que tu honores? Beaucoup sont déjà disqualifiés. Leur manière de traiter Dieu les a déjà disqualifiés. Tes dons, tes louanges, tes offrandes peuvent te qualifier et peuvent te disqualifier. S'il est ton père, où est l'honneur? Où est la crainte? S'il est ton maître, où est la crainte? Tous ceux qui sont cupides envers Dieu doivent se repentir avant qu'on ne commence l'intercession. Et tu vas restituer. Si tu refuses, tu es déjà disqualifié. Si tu devais payer tes dîmes et tes offrandes, et que par cupidité, tu les bloques, on ne te contrôle pas, mais tu es déjà disqualifié. Ce sujet-là, tu es déjà mis de côté. Si on continue la lecture, vous verrez que il appelle voleur tous ceux qui refusent de lui donner ce qui revient à la maison de Dieu. Et c'est une source de pauvreté. Le fait d'être cupide envers Dieu est une source de pauvreté. Quelqu'un qui ne fait pas confiance à Dieu en enlevant de ses revenus la part qui revient à Dieu, cette personne est déjà disqualifiée. L'argent est direct. C'est-à-dire que si tu veux connaître où se trouve le cœur de quelqu'un, demande-lui où se trouve son argent. Si c'est dans un grenier, son cœur est dans le grenier. Qu'il ne te trompe pas. Si c'est dans son ventre, son cœur est dans son ventre. Si c'est dans ses poches, son cœur est dans ses poches. Mais si c'est sur l'autel du sacrifice, son cœur est à l'Éternel. Est-ce que nous sommes ensemble? On ne peut pas tromper Dieu. Les sujets de ce soir seront tous exaucés. Mais si tu n'honores pas Dieu, ne t'attends à rien. Tu n'auras rien. Même si tu tapes ton corps sur la terre. Parce que tu as échoué. Tu as volé Dieu. Tu ne l'honores pas. Tu ne le crains pas. Tu n'es pas son fils. Au sens spirituel du terme, tu ne l'as pas honoré, il ne peut pas t'honorer. Relis. Malachie, chapitre 1, versets 6 à 8. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs,
qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Amen. Lis le verset 14. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Amen. Relis le verset 14. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Amen. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. La Bible dit que c'est par la foi qu'Abel offrit à l'Éternel un sacrifice plus excellent que celui de son frère. Si tu as la foi, si tu crois que tu es le fils ou la fille d'un grand roi, un grand Dieu, tu ne dois pas hésiter. Tu ne dois pas te retenir et tu ne dois rien retenir. Si tu te retiens ou si tu retiens quelque chose, tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la foi. Ça veut dire que quoi? Tu penses qu'en donnant, tu perds. C'est pour cette raison que tu choisis ce qui est méprisable. Tu te dis, il ne faut pas que je donne ma jolie robe. Il ne faut pas que je donne ma jolie chemise. Je vais donner un vieux pantalon. Ou alors, je paye ma dîme après avoir effectué toutes mes dépenses. Le reste, je vais aller jeter dans la corbeille. Ce sont des situations de ton cœur selon l'endroit où il est positionné. Mais le Seigneur accorde la grâce ce soir. Tu vas lui demander pardon. Sinon, nous ne serons pas exaucés. Dieu, on ne peut pas le tromper. Quelqu'un qui a attrapé une maladie dans la prostitution et qui n'est pas prêt à renoncer à cette prostitution, mais qui veut la guérison pour recommencer la même vie, Dieu ne va même pas regarder dans sa direction. Au contraire, il peut augmenter le mal. Il a dit à Jézabel dans l'Apocalypse, je vais te jeter dans le lit et t'envoyer des tribulations dans la chair. Est-ce que nous sommes ensemble? Il faut connaître Dieu. Pour ceux qui ont acheté le livre sur le renversement des principautés, le sous-titre de ce livre, c'est « Délivrance de la malédiction divine ». Tout le combat que nous menons là, si nous voulons une grande victoire, il faut refaire la paix avec Dieu lui-même. Et quand tu fais la paix avec Dieu, il enlève sa malédiction sur toi. Si bien que renverser les principautés devient synonyme de rechercher la délivrance de la malédiction divine. C'est amener Dieu à retirer ses jugements sur toi. Alléluia. Le psalmiste disait à Dieu, tout est flot, pas sur moi. C'est-à-dire que quand tu connais les choses de Dieu, quand tu connais la relation avec Dieu, tu comprends que ce qui m'arrive là, c'est Dieu
C'est Dieu qui s'oppose à moi. Alléluia. Les démons dominent parce que Dieu nous a rejetés. Quand tu es dans sa maison, il faut l'honorer. Il est ton père, il est ton maître. Et cela doit se traduire par la qualité de ton service. La qualité du don de ta personne. Si le monde a tout, Jésus n'a que quelques minutes, il n'est pas ton maître. Même si tu le confesses de la bouche, même si tu dis Seigneur Jésus, tu dis ça 1 milliard de fois. Ça ne change rien. Il a dit, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que j'ai dit. C'est quand tu obéis, quand tu l'honores, quand tu le crains, que la chose devient sérieuse. Donc nous allons nous tenir debout. Avec lui, on ne crie pas comme avec les démons. Tu vas seulement revenir. Et je te dis, reviens sincèrement. Vous savez, c'est comme un fleuve. La croisade est comme un fleuve qui coule. Les choses d'hier sont passées. Est-ce que nous sommes ensemble? Si bien que quand tu laisses un jour passer, tu ne peux plus le rattraper. Ce que tu vas obtenir ce soir, ne dis pas que je reviendrai demain. Tu n'es pas sûr de retrouver le fleuve. Quand tu tombes dans un fleuve, l'eau qui t'a touché là est déjà partie. Même si tu reviens te plonger, ce n'est plus la même eau. Et puis tu n'es même plus la même personne. Parce que tes pensées ont déjà changé. La grâce de ce soir, c'est la grâce de ce soir. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est pour ton bien. Dieu est assis sur son trône. La Bible dit, quand il y avait le déluge sur la terre, Dieu était assis sur son trône. On peut incendier le monde. C'est-à-dire, on brûle toutes les maisons qui sont sur la terre. L'odeur de la fumée n'arrivera même pas là-bas. Donc, c'est un trône éternel, affermi. Alléluia. Le trône de justice. Et si tu n'es pas en Christ, si tu es dans le monde, Dieu ne te chasse pas, mais il te dit, convertis-toi. Jésus disait, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Pendant que les enfants de Dieu sont en train de se repentir pour ne l'avoir pas honoré, pour ne l'avoir pas craint, toi, tu dois confesser tes péchés. Tu dois confesser tes péchés. Tu dois confesser tes péchés. Tu regardes ta vie, l'alcool, le koutoukou, la cigarette, la drogue. Tu regardes tes amis, la mauvaise compagnie. Et tu décides que tu ne vas plus marcher avec les mauvais. Tu dis, je veux marcher désormais avec les enfants de Dieu pour lire la Bible, pour chanter, danser les louanges. Alléluia. Pendant qu'on est en train de se... Chacun se rapproche de Dieu. Toi, si tu avais rétrogradé, si tu étais en Christ et que le monde t'a séduit, tu es retombé, reviens maintenant. Quand nous allons dire Amen, c'est pour commencer les supplications. Et Dieu va exaucer. Dieu va exaucer. Mais tu vas restituer ce que tu lui dois. Alléluia. Amen.
Tu n'as pas payé ta dîme, même si ça fait 10 ans, tu vas tout restituer. J'ai dit à quelqu'un, comme tu aimes Dieu, ne vole pas Dieu. Le jour où tu reviendras, tu seras obligé de tout payer. Donc les vrais enfants de Dieu ne s'amusent pas à voler Dieu. Parce que le jour où tu reviens, tu dois tout restituer. Même si tu as rétrogradé, continue à payer tes dîmes. Si bien que le jour de ta restauration, tu n'as pas de problème. Est-ce que nous sommes ensemble? Et puis, si tu écoutes les fausses doctrines qui disent qu'on ne paye pas la dîme, si tu as cru à ça, tu te repens parce que tu as cru au mensonge. Parce qu'il y a beaucoup de faux docteurs aujourd'hui dans le monde. Quand tu veux voir la gloire de Dieu, tu chasses la folie de ta tête. Jésus a dit, gardez-vous du levain des pharisiens. N'écoutez pas tous les enseignements, tout le monde. Tous les prophètes ne sont pas prophètes. Tous les docteurs ne sont pas docteurs. Alléluia. Jésus a dit qu'aucun trait de la loi ne disparaîtra. Aucun. Au contraire, nous amenons chaque écriture à sa perfection, à son accomplissement. Nous sommes de ceux qui accomplissent les écritures. Nous ne sommes pas de ceux qui les falsifient. Est-ce que nous sommes ensemble? Si tu as cru que le paradis est sur la terre, tu te repens. Parce que Jésus dit que nous allons monter avec lui pour les noces. Est-ce que nous sommes ensemble? Commençons à prier. Alléluia. Si tu dois l'argent à quelqu'un et si tu as les moyens pour payer et que tu n'as pas payé, tu demandes pardon à Dieu. Si tu dois à quelqu'un, si tu n'as pas les moyens pour payer, tu vas lui demander pardon. Que je devais déjà payer, je n'ai rien, pardonne-moi. Il ne faut pas rester comme un roi alors que quelqu'un souffre à cause de toi. Et puis, si tu n'as pas d'argent, ne demande pas le prêt, c'est le vol. Quelqu'un qui n'a pas l'argent pour restituer, pour rembourser, qui s'en va prendre un crédit, est un voleur. C'est-à-dire, c'est un voleur expérimenté. Il ment, il dit, je t'amène ça, à la fin du mois, tu auras ça. Et tu lui donnes. Parce que les autres voleurs courent beaucoup de risques. Aller se cacher, casser la porte, mais lui, il vient, il te dit, donne-moi 500 000, tu auras ça dans 2 jours. Je te jure, moi, je suis chrétien. Je suis baptisé, confirmé. Je crains Dieu. Je paye mes dîmes et les offrandes. Et tu lui donnes. Et il disparaît. Les autres courent des risques. Le temps même de voler, même on les a déjà attrapés. Quelqu'un qui n'a rien doit demander l'aumône, l'aide. Point. Et l'aide veut dire que si tu demandes à quelqu'un, s'il a 50 francs, il te donne, tu dis merci à Dieu. S'il a 100 francs, il te donne, tu ne te plains pas. Si tu as faim, tu ne demandes pas l'argent. Tu vas chez ton frère, tu dis vraiment, j'ai faim. Il te donne à manger, tu manges. Ton problème est réglé. Dans toutes les dettes qui n'ont pas été payées, la Bible dit que le méchant emprunte, mais il ne rembourse pas. Donc toi, tu es méchant. Vous savez, à un niveau donné, l'intercession devient une affaire de justice divine. C'est ce que tu dois savoir. À un certain niveau, il dit d'élever à Dieu les mains pures,
sans colère ni mauvaise pensée. Les mains pures, là, veut dire que quoi? C'est-à-dire qu'il faut se purifier, te sanctifier avant de venir présenter tes problèmes à Dieu. Donc, continuons la prière. Si tu as des serviteurs que tu maltraites, tu as une servante à la maison ou bien un garçon de maison que tu maltraites, tu es déjà disqualifié. Si tes serviteurs ne sont pas heureux, tu es un bandit, tu es un mercenaire. Si les gens t'ont servi et tu n'as pas payé leur salaire, pendant ce temps, tu lèves tes mains pour que Dieu te bénisse encore. Tu veux que Dieu t'ouvre les portes alors que tu as des gens qui pleurent au quartier. Quand tu vas lever tes mains, ce sont leurs cris qui vont monter au ciel. Ta prière ne va pas monter, ce sont leurs cris que Dieu va entendre. L'apôtre Pierre disait aux gens que les cris des gens à qui vous n'avez pas payé les salaires sont en train de monter jusqu'à Dieu. Et tu veux davantage de bénédictions, davantage de bénédictions. Pendant ce temps, tu dois 500 francs à un pauvre. Tu peux même payer, même on ne saura pas si tu as donné l'argent à quelqu'un. Parfois même on te vole, tu ne sais même pas qu'on t'a volé. Mais pendant ce temps, tu dois à quelqu'un qui n'a rien, qui ne vit que de ça. L'intercession, c'est la justice de Dieu. C'est la justice de Dieu. Continuons à prier. Maintenant, nous pouvons nous asseoir. Vous écoutez la parole de Dieu attentivement. Lis-nous Romains chapitre 8, versets 31 et 32. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Cette parole dit une chose très simple. Cette parole veut dire que tous nos besoins, quand tu rassembles tous tes besoins, quand tu établis une liste de tout ce dont tu as besoin, et que tu te places devant Dieu, tu dois croire qu'il va t'exaucer. Pourquoi? Parce que Jésus dépasse toutes les richesses de la terre. Jésus est au-delà de toutes les richesses dans les cieux, dans les lieux célestes. Mais Dieu n'a pas épargné Jésus parce qu'il voulait te sauver. Est-ce que le Dieu qui a donné Jésus pour ton bien peut te refuser un morceau de pain? Entre un morceau de pain et son fils Jésus, qu'est-ce qui est grand? Qu'est-ce qui est grand? Certains vont demander les chemises. Entre une chemise, moi-même je peux t'offrir une chemise. Entre une chemise et Jésus, qui est grand? Certains vont demander le mariage. Entre Jésus et le mariage, qu'est-ce qui est grand? Si Dieu te donne Jésus, il donne Jésus, il envoie Jésus à la croix pour te sauver, est-ce qu'il peut te refuser le mariage? Est-ce que nous sommes ensemble? Le don de son fils est une preuve que Dieu ne peut rien nous refuser. Est-ce que nous sommes ensemble? Le don de son fils est une grande preuve que ce Dieu qui a donné son fils ne peut rien nous refuser.
Alléluia. Lis-nous Hébreux, chapitre 4, verset 9 à 16. Il y a donc un repos de sabbat est réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi donc, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Amen. Il dit ainsi, puisque nous avons un souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Tu dois t'approcher avec assurance de lui. Alléluia. Sachant qu'il a ouvert le ciel, il est mort pour te réconcilier avec Dieu. Et quand tu es dans des situations difficiles, quand tu es dans la faiblesse de ton être, il connaît ce qui t'arrive. Il sait où tu te trouves. Il sait que présentement tu es à Djamé, assis dans le temple du siège de la CMCI, désirant et pleurer sa miséricorde. Il sait que tu trembles. Il sait que tu te demandes, est-ce que je vais sortir tel que je suis venu? Et il te dit, ne crains pas, approche-toi de moi. Alléluia. Avec assurance, sachant qu'il est capable de t'exaucer. S'approcher de Dieu avec assurance veut dire, sachant très bien qu'il va t'accueillir et qu'il va t'exaucer. Est-ce que nous sommes ensemble? Même ceux qui ont volé les dîmes et les offrandes, là, il a pitié de vous, il s'est dit, celui-ci a été tenté, il est tombé. Je vais le relever. Lui, il a été tenté, il n'est pas tombé. Donc, il peut t'aider. Dis amen. Amen. Il a été tenté, il n'est pas tombé. Donc, il peut t'aider. S'il était tombé, il n'allait pas t'aider. Il est sorti vainqueur. Il a été enseveli. Il a roulé la pierre. Il est sorti. Il est monté. Il est assis à la droite de Dieu. Il intercède pour toi. Toi, tu dois le connaître. Toi, tu dois le connaître. Tu dois t'approcher de lui avec assurance. Lis-nous le dernier passage et puis on va commencer la prière. Lis-nous Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce.
Amen. Ne vous inquiétez de... Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Ne crains rien. Dis à Dieu quel est ton problème. Et puis, élève des supplications et des prières pour qu'il vienne à ton secours. Ta vie va changer. Donc, prends ta liste. Si tu ne savais pas, demande 10 choses à Dieu. Personne ne va contrôler tes prières. Vous savez, si tu pries avec les hommes vont te décourager. Certains vont essayer de te donner des doctrines, mais là, tu es devant ton Père. Il n'y a pas de censure humaine. Demande-lui tout ce que tu veux. Choisis 10 choses, tu as si tu notes, parce que tu vas rendre témoignage ici. Nous sommes allés au Mali. J'ai demandé, parce que le Seigneur s'est révélé à moi comme notre Père. Depuis cette révélation, les choses ont changé dans ma tête. La prière à notre Père est le niveau supérieur de l'intercession. Appeler Dieu ton Père, là, ce n'est pas donné à tout le monde. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu entends un enfant crier, « Oh, mon Père !» Si tu vérifies, c'est le Saint-Esprit qui lui a enseigné ça. Donc j'ai demandé que chacun présente 3 choses. Un ancien a demandé 3 choses. Dès que nous sommes sortis, il a obtenu la première chose. Il dit que j'ai déjà reçu la première réponse. C'est ce que je viens de demander à Dieu. 3 choses, c'était la première chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et vous avez vu les jumeaux. Elle a demandé, dit, Dieu, donne-moi vraiment une grossesse et que 2 enfants sortent de mes entrailles à la fois. Nous les avons vus ici. Dieu va te donner ce que tu désires. Le diable est un menteur. Il dit, la pierre de Dieu roule lentement. Quel lentement? Alléluia. Crois en Dieu. Approche-toi de lui avec assurance. Il dit, approche-toi du trône de la grâce. Les mots sont porteurs de signification. Il ne dit pas approche-toi de lui, il dit approche-toi du trône de la grâce. C'est-à-dire le trône où il y a la compassion, l'amour, la miséricorde. Oh, Dieu a pitié de l'homme. Il dit laissez-le venir. Bartimée criait, aie pitié de moi, fils de Dieu, aie pitié de moi. Jésus a eu pitié de lui, il lui a dit, il faut l'appeler. Alléluia. Et les gens ont dit à Bartimée, prends courage, il t'appelle. C'est le trône de la miséricorde, le trône de la compassion de Dieu. C'est là où Dieu oublie tes folies. Il dit, je vais te faire du bien. Il dit, je te fais du bien, pas parce que tu es bien, je te fais du bien parce que moi-même je suis bon. C'est ça qu'on appelle le trône de la grâce de Dieu. Maintenant, commençons à prier. Ceux qui sont dehors, ceux qui sont en haut, ceux qui sont en bas, entrez dans une intercession sérieuse, d'une transaction avec Dieu. Si quelqu'un dort, il a perdu. Si tu ne sais pas écrire, ta tête là doit porter ton fardeau. Et ton cœur doit intercéder. Tu n'es pas obligé d'atteindre 10 choses. Pour certaines personnes, c'est une seule chose. Pour d'autres encore, 3.
Dès que tes fardeaux sont déposés, tu commences à lui rendre grâce. Dis, oh mon Père, délivre-moi des conséquences de mon égarement. Délivre-moi des conséquences de mon doute. Délivre-moi des conséquences de mon incrédulité. Délivre-moi des conséquences de mon manque de consécration. Continue à intercéder. Dis, oh mon Père, combat pour moi sur la terre. Oh mon Père, combat pour moi sous la terre, dans les lieux plus bas que la terre. Dis, oh mon Père, combat pour moi dans les abîmes, dans les prisons des ténèbres et de l'abîme. Dis, oh mon Père, combat pour moi dans les eaux. Combat pour moi dans les lieux plus bas que les eaux. Dis, oh mon Père, combat pour moi dans le désert, dans les lieux arides. Dis, oh mon Père, combat pour moi dans le séjour des morts. Et remporte pour moi la victoire sur la mort et le séjour des morts. Et sur tous les esprits de mort. Oh mon Père, combat pour moi dans les forêts, dans les collines, dans les montagnes. Combat pour moi, combat pour moi, combat pour moi. Oh mon Père, oh mon Père, continue, commence à prier en langue. Korobaka rakabaka sakabaka. Korobaka sakabaka rakabaka. Korobaka sarabaka rakabaka sakabaka. Korobaka sakabaka. Korobaka sarabaka sarabaka sakarabaka sakabaka. Korobaka sakabaka rakabaka sak. Korobaka rakasamba rakaseka rabaka. Dis, oh Père, exauce-nous, 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 exauce-nous. Exauce-nous, exauce-nous, exauce-nous. Dis, oh Père, descends, descends, descends. Et exauce-nous, exauce-nous, exauce-nous. Dis, oh Père, donne des ordres, donne des ordres. Donne les ordres à notre sujet. Donne tes ordres à notre sujet. Continue à prier. Mon Père, que la volonté de Satan et des démons ne prévale point contre moi. Viens à mon secours. Continue à intercéder. Dis, oh mon Père, éloigne de moi la honte, éloigne de moi l'opprobre, éloigne de moi l'ignominie, éloigne de moi la frayeur, éloigne de moi les angoisses, les angoisses. Continue à crier à lui,
Glory d'Alba Sengeri Makemba Rama Kemba Rama Kemba Rama Kemba Rama Kemba Rama Kolo Bakala Basemba Rikamana Kolo Bakasaka Balana Bakasama Kolo Bakasanga La Makala Masamana Kolo Bakasanga La Makala Masamana Kolo Bakasanga Makala Masangama Kolo Bakasanga Makala Masangama Kolo Bakaseba Kolo Bakalamana Gardons le calme devant Dieu. Gardez le calme devant le Seigneur. Disons merci au Seigneur qui a entendu nos cris. Il a entendu nos cris. Amen. On peut donner la parole à deux personnes qui ont absolument quelque chose à dire. Selon le témoignage du Saint-Esprit dans leur cœur. Gloire à Dieu. Tout à l'heure, lors de la prière, j'ai vu un être sortir de mon corps. Je voulais rendre grâce à Dieu pour cette délivrance. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Pendant que le leader nous demandait de garder un moment de silence, je recevais le Seigneur me disait, « Vous m'avez touché, vous m'avez touché. » J'ai entendu vos cris, j'ai entendu vos prières. Je vous exauce, je vous exauce, je vous exauce. Amen. Alléluia. Effectivement, il y a eu beaucoup de délivrances. Le Seigneur a combattu dans les mers, les eaux, la terre, sous la terre, dans les lieux arides. Les yeux vont contempler les résultats. Amen.